Et toujours dans la région, cette action de l'association Avaaz contre l'exploitation pétrolière en Amazonie. Ce matin, elle a simulé un forage devant un grand hôtel de luxe parisien. Avec d'autres ONG, elle voulait dénoncer l'extension des puits de pétrole et le projet de vente de milliers d'hectares de forêt par le gouvernement équatorien. Pierre Yoven, Denis Rousseau-Caplan. Rendez-vous citoyen et écologique à Paris pour ces ONG qui dénoncent l'extension de forages pétrolifères en Amazonie. Les manifestants, une trentaine, se sont regroupés au pied d'un grand hôtel parisien où se tenait dans les salons feutrés une réunion semi-confidentielle entre le ministre de l'Environnement équatorien et des compagnies de pétrole. Un dossier lourd de conséquences et vital pour les sept peuples autochtones qui tentent de survivre face à l'invasion industrielle du pétrole au nord de l'Équateur. Les dégâts de ces activités sont complètement désastreux pour notre peuple, nos peuples, je voulais dire, parce que c'est sept peuples différents qui sont impactés par ces activités. Et on est là pour soutenir leur voix, l'emmener en Europe, pour dire aux investisseurs, pour dire au public qu'on ne peut pas accepter ce genre d'activités sur leur terre. Ce plan, s'il est signé, représente 25 ans de forage, 2 ans de production globale du pays actuellement. Les dommages collatéraux seraient irrémédiables pour la survie des indigènes, de la faune et de la flore amazonienne. 5 associations ont déjà récolté plus d'1 million de signatures grâce à une pétition internationale. Ils font rentrer les droits de la Pachamama et c'est la première fois que ça arrive dans un pays, donc c'est acclamé dans le monde entier. Ils appellent à protéger aussi une zone de forêt qui s'appelle le parc Yasuni, en disant on n'y touche pas si vous, dans le monde entier, vous nous aidez à la préserver, vous nous donnez de l'argent pour pas qu'on fore là-bas. Cette zone qui est quand même relativement modeste sert d'écran de fumée pour pouvoir forer des zones bien plus importantes. Cette vente concerne 4 millions d'hectares, 13 parcelles supplémentaires qui seraient vendues sur le nord équatorien. Là on est pour l'instant au stand des enchères, c'est d'ailleurs le ministre équatorien qui est en train de présenter le système des enchères justement derrière nous. Là, dans les salles du Marriott, aux investisseurs pétroliers. Et on espère que ça n'ira pas au bout, que le président Correa entendra la mobilisation du plus de 1 million de personnes qui ont signé la pétition Avaaz et qu'il reviendra sur cette folie. Un accord qui mettrait en péril le dernier poumon de la Terre et en même temps la réputation de défenseur de l'environnement du président Correa, récemment réélu.